Bien, bonjour à tous. Nouveau jeu, nous avons qui dit mot. Donc trois jeux en un. Nous avons des mots-clés, des mots interdits, des têtes chercheuses. Le tout avec de jolies cartes bien illustrées. Donc le premier jeu s'appelle Tête chercheuse. Et on va jouer à ça en piochant une carte. Mais je ne la regarde pas, bien sûr. Je le mets sur mon front. Et je demande aux autres joueurs, je pose des questions pour savoir qui je suis. Donc, est-ce que je suis une femme? Non. Est-ce que je suis un homme? Oui. Et ainsi de suite. Est-ce que je suis un homme? Oui. Donc je peux continuer si la réponse est oui? Oui. Ok. Est-ce que je suis née à Prénoué? Oui. Ok. Donc je continue. Est-ce que je suis un roi? Un joueur de roi. Oui. Je suis un roi en Égypte. Oui. Je suis pharaon. Oui. Ah. Alors pour jouer, donc soit on peut mettre un bout de tissu, ou alors on peut faire comme nous, mettre un petit bout de scotch. Ah mais j'avais pas trouvé. Ok, d'accord. Donc deuxième jeu, mot interdit. Donc le principe du jeu est de faire deviner aux autres joueurs le personnage qu'on a sur notre carte. Donc moi par exemple ici j'ai Thomas et j'ai les mots que je ne dois pas prononcer. Je dois faire deviner sans les mots qui sont ici. Ok, donc je commence. J'ai une minute et je vais te faire deviner le plus de personnages. C'est parti. Alors, je suis une femme. Léa. Non. Rachel. Non, dans le Nouveau Testament. Marie. Non, mais le nom ressemble. Ok, c'est pas Marie-Madeleine. Non, alors j'ai un frère. Marthe. Qui est... Oui. Ok, on continue. Donc, je suis encore une femme. Léa. Non, dans Rachel. Le Nouveau Testament. Sarah. Marie. J'ai pas beaucoup d'argent. Je rends service. Dorca ? Ah oui. Alors le dernier jeu s'appelle donc mots-clés. Le but du jeu est de trouver le plus de personnages possible, le plus rapidement possible. Alors donc par exemple, je prends la première carte. Donc c'est le personnage pharaon. Donc je vais commencer par dire le premier mot, donc Égypte. Donc vous devez essayer de deviner. Si vous ne trouvez pas, je passe au second mot, donc esclave. À nouveau, vous devez essayer de deviner. Et ainsi de suite, jusqu'à que j'ai fini les 5 mots. Donc je commence. Oui. Allez, David. Salomon. Ouais, c'est bon. À toi. À moi. Argent. Disciple. Judas. Oui. Femme. Léa. Marie. Rachel. Taxi. Donc pour savoir quand le jeu se termine, donc on décide avant de commencer donc le critère donc de fin de partie, donc soit la durée, soit un nombre de manches, ou alors un nombre de cartes à avoir. Les cartes donc, sont illustrées d'un côté et avec uniquement des mots de l'autre. On a différentes difficultés. Pour les enfants, on a des images afin de simplifier la lecture. Et de l'autre côté, on a deux niveaux de difficultés, un peu plus simple, un peu plus dur. Donc c'est un jeu facile à jouer, sans forcément avoir des connaissances bibliques.